et bienvenue sous le soleil de la Bourdonnette pour ce dernier Bourdon News de l'année 2009. Tout de suite, on part en trombe, on suit le Père Noël qui est venu dans le quartier de la Bourdonnette. Petit Papa Noël. Alors viens, viens sonner la cloche. Là. Viens, tu sonnes comme ça. Vas-y, à toi. Vas-y, fais la sonner. Voilà, c'est bon. Voilà. Tiens, c'est tout pour toi. Et t'as entendu le petit mot magique? Merci. Voilà. Et là, vous reculez un petit peu, c'est gentil. Vous pouvez pas, c'est pas pas. Voilà. Toujours quand tu descendras du ciel avec les cadeaux parmi. Tu veux me raconter? Rien? Tu veux rien garder à raconter? Tu veux sonner ma cloche alors? Pour faire sonner la cloche. Vas-y, sonne à fond. Voilà, super. Bravo. 2, 3. Hey, salut. Oui, qu'est-ce que tu vas me raconter aujourd'hui? Ben oui, d'accord. Tu sais plus? Oh. Alors, faut faire sonner la cloche. Voilà. Joyeux Noël et de me couper la nouvelle année. J'apporte un petit gâteau.
gâteau sucré. Ah, bah, t'as à toute la famille, un joyeux Noël. Et je vous la nouvelle année. Georgie a été rencontrer les volontaires qui s'occupent du camion de Mère Sophia. Je vous laisse en leur compagnie. On s'occupe un peu des gens, on leur donne un peu de thé, des friandises. Et puis, on essaye de leur donner un coup de main quand ils ont des difficultés. On leur donne de la nourriture. Des cadeaux, oui, éventuellement pour les enfants plus particulièrement. Je souhaite un excellent Noël à tous les enfants de la Bordeaux et puis du reste de la ville de Lausanne. Et puis, soyez sages pour l'année prochaine si vous voulez avoir des beaux cadeaux. Bonjour, je m'appelle Patrice, je suis bénévole et un des chauffeurs de la fondation, donc Mère Sophia. Là, on est à la Bourdonnette. Et puis, on attend les gens qui veulent venir, ceux qui sont défavorisés, qui sont dans la rue, qui sont sociaux, qui sont au chômage, à l'AI, les gens qui ont le plus besoin d'aide. Puis, de temps en temps, ce camion qui est derrière moi, je le conduis, qui n'est pas évident de conduire en ville. c'est assez dur, surtout qu'il est bien chargé. Là, vous avez le congélateur. Et vous avez la possibilité aussi d'avoir le numéro de téléphone que je présente ici pour, si vous l'appelez la fondation, elle s'appelle Vanessa, qui est une personne qui est très super gentille avec nous comme avec tout le monde. De l'autre côté, on a le frigo. Et puis juste là où je suis à l'intérieur, c'est tous les produits secs et qui fait en même temps de bureau. Je vais vous ouvrir le frigo, plutôt le congélateur, pardon, pas le frigo. Voilà tous les produits qu'on peut avoir. Voilà, vous pouvez regarder tous les produits qu'on a. Mais malheureusement, on ne peut pas tout avoir non plus parce qu'il faudrait un camion remorque, presque, ou bien enfin un semi-remorque. Mais voilà déjà une partie des petits produits qu'on a, donc congelés. On a de la viande, du poisson, on a des fois, ça nous arrive d'avoir la pizza. De l'autre côté, on a des yogourts, du lait, donc tout ce qui est produit frais. Tout de suite, nous partons en compagnie de la caméra Embalade qui a été filmée les urbaines à Lausanne. Je suis un peu plus de temps.
Thank you.
Ensuite, nous retrouvons les créations de tricots de Zoray présentées lors d'un défilé organisé par l'Académie de coiffure de Lausanne. Toujours l'idée de tricoter depuis que j'étais tout jeune. Je faisais toujours comme hobby à la maison, pour moi, et de temps en temps pour les amis, les familles. Et puis beaucoup mes amis autour de moi me disaient qu'il faut faire une fois, de montrer ce que je fais. J'ai appris par ma grande sœur. Après, petit à petit, c'est moi qui j'ai ajouté un petit peu de modèles à mes goûts. Vraiment, le modèle, c'est très simple. Un pull pour les hommes, mais pour les femmes, comme j'ai, on peut faire des bikinis, des jupes, des robes. On peut faire tout pour les femmes. Actuellement, je travaille dans l'école Académie de coiffure de Madame Monsieur Savoie. Et Madame Savoie m'a donné de bonnes occasions que je peux faire défiler mes vêtements aussi. Et surtout que Madame Savoie, elle fait plusieurs fois par année des défilés de coiffure, des endroits différents avec des créations, des modèles différents. Bonjour, je m'appelle Germaine Savoie, je suis la directrice de l'Académie de coiffure de Lausanne, une institution qui a été créée en 1958 et qui à ce jour a formé plus de 2000 apprenants qui pratiquent dans le monde entier. Nous avons toujours coiffé pour des boîtes telles que le MAD, le D, le Cœur. Les écoles de couture de Lausanne font appel à nous et beaucoup d'autres institutions dans le cadre privé. Et nous avons toujours beaucoup, beaucoup de plaisir de travailler avec tous ces gens. Nous coiffons aussi Miss Portugal, Miss Italie. Nous avons eu même une Miss qui est arrivée au niveau mondial, qui était une de nos élèves. Ça a été fantastique. Je m'appelle Myriam. J'ai commencé l'académie juillet l'année passée, 2008. Je vais faire 3 ans, 22 mois femme et 8 mois homme. Ma mère, quand elle était jeune, elle voulait déjà faire coiffeuse. Ma sœur, elle a fait un apprentissage, un an et demi. Et puis elle me prenait souvent avec elle et tout ça. Donc j'étais souvent avec elle, j'ai vu. Et ça m'a donné envie de faire. J'ai fait des stages et puis ma mère m'a parlé de l'académie. Et puis j'ai commencé. C'est surtout le côté artistique. C'est très manuel. Les gens, quand ils rentrent, on sent qu'ils sont pas sûrs d'eux. Et quand ils ressortent, ils sont contents et tout. C'est vrai qu'on se sent important. Le contact aussi avec la clientèle, ses proches, ils nous racontent leur vie. C'est impressionnant de voir le changement, surtout l'attitude des gens quand ils ont une autre tête, un autre physique. Ça change beaucoup et ça, c'est surtout ce qui m'intéresse le plus. «
le centre œcuménique du quartier a proposé une petite tournée du quartier avec des flambeaux. On a fini sur la place, au soleil, et par un petit échaud aux oranges, je vous en dis pas plus. Allez, je vous laisse regarder les images. À partir d'une petite flamme d'une allumette, eh bien, on a pu faire un grand feu. Et à travers ces grands feux, on a pu allumer chacune de nos torches qui nous rendent lumineux. Si vous regardez, on a tous devant les yeux cette torche qui rend nos visages beaucoup plus beaux encore. C'est là qu'on voit briller nos yeux. Alors bonjour, je me présente. Je suis étudiant à l'ECA, à l'École cantonale d'art de Lausanne en section cinéma. Et dans le cadre d'un court-métrage de fiction, de comédie, que je vais tourner au sein de la Bourdonnette, tout dans la cour de la Bourdonnette, et ben je cherche des personnes qui seraient d'accord pour pouvoir faire de la figuration. Alors je cherche des jeunes filles entre 16 et 25 ans dans cette tranche d'âge qui voudraient pendant une heure, c'est le samedi 2 et le samedi 9, donc une heure chaque samedi, faire des petits rôles de figuration. Donc si vous êtes intéressé pour ces petits rôles de fiction, vous pouvez me contacter à l'adresse mail jg.sonier@yahoo.fr dans la période jusqu'au 27 décembre. Donc voilà, je suis à votre entière disposition et j'espère avoir vos nouvelles pour participer à cette expérience. Merci. Dans la boucle pour ces fêtes de Noël, nous vous proposons pour commencer les combats, les différents combats qu'il y a eu pendant le championnat d'Europe de Jérémy Canabat. Donc ce coup-ci, vous les verrez tous. Ensuite, nous retrouverons un magazine interculturel Carrefour. Et pour finir, qu'est-ce qu'on vous propose ? Eh bien, on vous propose un film qui a été tourné par le Centre socioculturel de Malais. Ça s'appelle « Mon quartier, mon repère ». Ensuite, direction Neuchâtel, avec Téléobjectif Réussir, qui nous propose deux émissions, dont une, c'est Probst, une vie de cyclisme, et la fête de la préhistoire. Et oui, c'est comme ça que s'achève le dernier Bourdon News de cette année 2009. Avec un grand plaisir, on vous retrouve en 2010. Allez, bonne fin de journée, au revoir.